Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle, ce que je vous ai annoncé, cet évangile que vous l'avez reçu et vous y restez attachés, vous serez sauvés par lui, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message, et voilà votre foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, je viens.